Ici, ce soir, j'appelle à la résistance active, à la levée en masse de la France des honnêtes gens. J'appelle à la restauration de la morale contre la voyoucratie. Et à un moment donné, elle redescend, et c'est là que nous sommes... Se sentant menacé, Yann Pia part chercher de l'aide. Elle obtient un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. Un homme la reçoit avec une mauvaise nouvelle. Officiellement, le ministre est très occupé et il ne peut pas la rencontrer. L'entretien aura lieu avec son chef de cabinet. Lorsqu'elle repart, Yann Pia comprend qu'elle est seule. Tous ces types ont été des salauds. C'était des balles, le bal des... À la fois solennel et familier, les deux. Chirac avait nous avait convoqués pour expliquer que c'était pas lui. Et en sortant, je dis, mais c'est pas vrai. Donc j'ai pas ouvert la bouche. Et je lui dis au revoir. Elle annonce sa candidature à la mairie de hier. Elle a même déjà commandé des sondages et les conclusions sont sans appel. Elle est gagnante dans tous les cas de figure. Quelques mois plus tard, Yann Pia est abattue. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une députée est assassinée.